firage, oh, y'a firage. Yeah, c'est le gâtima, gâtima. Stevie. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Il y a quelques jours, à la fin de l'édition 2021 du FEMUA, tout le monde s'était indigné contre Koffi Olomide sans pour autant avoir eu sa version des faits. L'artiste congolais s'est exprimé il y a quelques jours, mettant à nu, bien évidemment, certains faits qui étaient méconnus du grand public. Et pour notre part, on n'avait pas encore la partie, sinon la version d'Assalfo qui avait énervé à ce point Koffi Olomide. Aujourd'hui, on vous dévoile les mots d'Assalfo qui ont choqué, qui ont brutalisé, qui ont énervé le grand Mopao Mokondi. Et après, ce sera à vous d'en juger. Il n'y a pas de polémique. Moi, je crois que, vous savez, quand la fête est trop belle, un verre cassé ne peut pas arracher la beauté à la fête. Donc, il ne faudrait pas qu'on prenne un petit dérapage pour en faire une polémique. Sinon, cela risque de voler la vedette à tout ce qui a été mis pendant les 5 jours, qu'un artiste vienne prester 20 minutes avant et partir. Bon, ça dépend aussi de la manière de comprendre de chacun. Donc, je ne vais pas m'épiloguer, je ne vais pas m'étendre dessus. Je crois qu'il y a tellement de choses belles, tellement de choses importantes à parler, à dire aux gens que de revenir s'il y a un petit verre cassé pendant une fête, quoi. Voilà les mots qu'a eu à tenir Assalfo. Malheureusement, c'est bizarre d'entendre ça parce qu'on lui connaît un professionnalisme qui ne dit pas son nom. On ne sait pas dans quelles circonstances, dans quelles émotions il était sans parti pris. Soyons clairs, ça fait bizarre. De Mopao Mokondi à Assalfo, qui a raison, qui a tort, ce sera à vous d'en juger. En tout cas, je tenais à vous présenter cette partie-là de l'affaire à la suite de ce qu'on a déjà pu voir sur les réseaux sociaux. D'ici là, c'est terminé. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles éditions. Au revoir.